nuoli. Nos marges sont bonnes en ce moment. Je propose qu'on fasse quelques investissements. Important. Ça a l'air pas. Je t'ai vu. Je t'ai vu. J'ai eu envie de te prendre le cœur. Ah ouais, moi je peux péter le pied, gars. Il gueulait. Hein. Pire qu'une pute. Tu vois une pute qui... Tu vois une... Non mais, tu vois une pute qui jouait? Bah c'est ça. non, il s'est un peu calmé quand même. Et encore, là, t'as plus le son, t'as pas l'image. Ah ouais, non, je peux laisser imaginer l'image. Ah non, ça c'est clair. Début. Et je vais me faire enculer la gueule. Et un grand bonheur. Victoire. Important. Ton cul. Eh ben fais ma meuf. Ouais monsieur. C'est du très beau travail. Bien joué, tu as été fantastique.
Eh ben c'est ma main. Ouais, monsieur. Tous les jours, je dis là que c'est ma meuf. Ouais. De se terminer. Revoyons qui sont les trois. Et Charles Leclerc. Les qualifications sont terminées. La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain. Alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. En doublon. La manita. C'est bien le chien. Eh ben c'est ma meuf. Qu'est-ce que je lui paye très bien une cartouche. Oh putain. Tu fais quoi 14 février? Bah tu kennes ta meuf. Ah bon? Allez bon. Oh. Pute. Oubliez les arrêts au stand et la gestion du carburant. Pour triompher en qualification sprint, il faut mettre le pied au plancher du premier au dernier tour. Jetons à présent un œil à la grille de départ de cette qualification sprint. Iceman part en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Pérez, Lando Norris et Hamilton, Verstappen, Russell, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo, Hakkinen, Ocon, Mick Schumacher et Gasly, Tsunoda, Magnussen, Wang Yuzhou et Felipe Drugovic, Vettel, Albon, Stroll et Nicolas Latifi. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Pognon. Les pilotes commencent le tour de formation avant l'extinction des feux de cette qualification sprint. Nous sommes presque prêts pour le départ de cette qualification sprint. Les voitures s'alignent sur la grille. Pilotes et écurie s'assurent maintenant que tout est en ordre pour l'extinction des feux. Ah, on va où? Sérieux?
dans la gueule. Pépita, la pépita. Des bières. Le niveau d'usure du système de stockage d'énergie s'aggrave. Autorisé dans ce tour, on peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Voici l'écart avec notre coéquipier, 7,6 secondes. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Allez, mange.
soulève ton côté. Ah non mais c'est clair. Ah c'est ça, mais on te tombe sur des putes. Hein. Voilà une nouvelle saison de Formule 1 qui touche à sa fin et nous avons un nouveau champion. Un nouveau nom qui fait son entrée dans la liste prestigieuse des pilotes les plus incroyables de ce sport. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Les leaders actuels creusent l'écart en haut du classement. La qualif sprint est terminée et il n'y a donc plus qu'à attendre la course de demain. Comme toujours, nous retransmettrons ce Grand Prix en direct, alors soyez au rendez-vous. C'est clair. Ouais. Mort de rien. Mort de rien. Oh.
Formule 1 est de retour à Sao Paulo et tout est en place à quelques instants du départ pour un nouveau Grand Prix incroyable. C'est ici même que Sébastien Vettel a remporté son troisième titre en 2012 et que Max Verstappen nous a offert un pilotage exceptionnel sur piste humide en 2016. Interlagos propose un circuit long de 4,3 km avec 9 virages à gauche et 6 à droite. C'est une course adulée par les fans brésiliens de F1 où les pilotes devraient tourner à une vitesse moyenne de 220 km/h si le temps ne se gâte pas avant la fin du Grand Prix. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Iceman part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Russell, Pérez, Charles Leclerc et Hamilton, Norris, Verstappen, Fernando Alonso et Mika Hakkinen, Ocon, Gasly, Mick Schumacher et Tsunoda, Magnussen, Albon, Felipe Drugovic et Guan Yu Zhou. Ricciardo, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Vettel, Latifi et Lance Stroll complètent la grille. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. C'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui? Quelle stratégie s'avérera gagnante? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Les voitures s'approchent de la grille et s'alignent pour le départ de la course. Les compétiteurs en piste espèrent tous prendre le meilleur départ possible pour finir sur le podium ou à défaut dans les points. Ouais, c'est ça le pire. Thank you.
grave. Ok, le DRS est disponible. L'écart avec notre coéquipier est de 5,5 secondes. De la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Ouais, j'ai pas oublié.
fenêtre d'arrêt au stand ouverte. C'est le rythme, il faut faire chauffer les gommes. La voiture de derrière s'est arrêtée pour chausser des médiums. Elle roule en médium.
Non mais c'est une blague. Sérieux. Ah mais attends. Bah c'est clair. Voici l'écart avec notre coéquipier, 10,7 secondes. On va voir que je vais me merder.
totalement. N'importe quoi. Ne panique pas pour l'instant, mais on a identifié un problème de notre côté. On examine ça. Oh non, pas de problème dans la voiture, sérieux les gars. Le logiciel. Il nous reste 5 tours de carburant. Le fond plat a subi des dégâts. Tu devrais commencer à sentir une différence. D'accord. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Tu as remporté le Grand Prix. Et cette victoire.
victoire aujourd'hui lui permet également de remporter le championnat. Sa constance tout au long de la saison a payé. Un grand bravo à toute son écurie. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Les trois pilotes qui s'approchent du podium ont livré une performance magnifique aujourd'hui dans ce qui restera un Grand Prix inoubliable. Bah, je sais pas. Dumbledore devant moi. Nous avions une belle brochette de talents en piste aujourd'hui, Nicolas. Mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour ? La plupart du temps, je choisis un pilote qui a accompli quelque chose d'incroyable pendant la course. Mais cette fois, j'ai plus été impressionné par le pilotage propre et régulier de Max Verstappen durant cette course. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat ? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Oh la vache. 2 points d'avance avant la dernière course au constructeur. 235 pour moi, 233 pour Red Bull. Hein ? J'ai 235 points pour mon écurie, 233 pour Red Bull. Avant la dernière course. Rendez-vous Pinocchio. Tu m'as fait peur. C'est beau. Putain, il y a une bataille là. Oh la vache. Putain. Attendez,
Attendez les gars, vous vous imaginez, on s'ambiance hors des boîtes. Non mais ça va pas non. Ouais. Tu vois de quel mec je veux parler? Déjà, blond, 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 comme ça. Mais il a un seul problème. Il est pas bête. Où tu Ou tu le connais celui-là aussi? Le mec il fait de la guitare, mais, ah, mais cette danse-là, elle est pour toi. Allez-y. Cette panne ERS a de quoi t'excéder. On devrait se focaliser sur des améliorations de la chaîne motrice. Ça nous permettrait de réduire la probabilité de rencontrer ce genre de problème à l'avenir. Allez-y, c'est par là. Oh putain. On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. J'ai quelque chose dans ma tête.